Long day in the sun. Said it's been a long, 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 long day in the sun. Finally evening comes, so me sit down round a back and read a book and hold a joy. Soon you know me not fi take no shot from no boy, cause me don't have a plan for them. And it no mean me a go say no man for them. Cause if a book them a read and a treat we like clown, who say we have to take it lying down? Salut et bienvenue sur la chaîne Globetrotters Meal, au programme des rencontres avec des producteurs, des recettes et des astuces pour les réaliser. Et surtout, je veux relever le défi de monter ma cuisine partout en extérieur. Et en Belgique, ça va pas être facile. C'est dans le petit village de Coëm à 3 km de Mons que j'ai décidé pour la première fois de poser ma cuisine. Et plus précisément sur le site du Levant, un site riche en histoire qui nous rappelle à quel point cette région était importante au niveau économique. On y retrouve des vestiges du charbonnage. La nature semble avoir repris ses droits sur ce terri. Pour info, un terri c'est un tas de déchets qui reste après avoir extrait le charbon. Il y a beaucoup d'activités grâce à l'ASBL Action Passion qui gère ses 33 hectares verdoyants. Pour cette première recette, je vais réaliser un toast de filet de porcelet moutarde à la crème, accompagné d'une brochette de petits légumes. Alors pour réaliser cette recette pour deux personnes, vous aurez besoin de un oignon, un demi-litre de crème, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, 8 tomates cerises, 3 échalotes, un pain campagne, un filet de porcelet de plus ou moins 250 g, de la moutarde, 2 carottes, 4 pommes de terre grenaille, du beurre et du persil botte. Je vais commencer par couper mes carottes en morceaux de 2 cm. Ensuite, je vais prendre mes carottes et les plonger dans de l'eau bouillante et salée. Et je vais mettre de petits paniers. Voilà. Car je vais plonger en même temps 4 pommes de terre grenaille. Alors maintenant, je vais préparer ma poêle, la faire chauffer à blanc pour préparer mon beurre noisette et saisir ma viande. Alors, pour éviter que le beurre ne brûle, un petit filet d'huile. Voilà. Voilà, on obtient un beau beurre doré. Et maintenant, on peut venir saisir notre viande. Magnifique. Voilà, on vient retourner la viande. On a une belle couleur. Et toujours un peu de sel et poivre de l'autre côté pour pas qu'il y ait de jaloux. Voilà. Alors pendant ce temps, on va déjà préparer nos échalotes. Alors on va les émincer grossièrement. Et alors, on va pouvoir retirer aussi notre viande, la réserver pour pouvoir préparer notre sauce. Celui-là, elle est belle. Elle a bien doré. Elle a une belle couleur. Ça sent bon, c'est prêt. Voilà. Pour venir faire fondre nos échalotes dans le jus de cuisson. Quand les échalotes ont bien fondu, on rajoute la moutarde. Alors ici, nous allons rajouter la crème à notre préparation avec les échalotes et la moutarde. Voilà. On mélange bien et on laisse réduire. Voilà, maintenant, je peux rajouter ma viande et laisser réduire et finir la cuisson de la viande dans la sauce. Ne pas oublier le jus, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est égoutter nos légumes qui sont prêts maintenant.
On va sortir les carottes et les pommes de terre. Alors maintenant, on va passer à la préparation des brochettes. On va faire fondre du beurre dans une poêle. Et alors, on va découper un oignon. Voilà. On met ça sur le côté pendant que notre beurre fonde. Et on passe, proprement dit, à la préparation de la brochette. On coupe les pommes de terre en deux. Voilà. Et on commence par un morceau de pomme de terre. Ensuite, par une tomate, une carotte, une tomate rouge. Et on finit par une pomme de terre. Alors on a pris différentes couleurs de tomates pour donner une petite touche esthétique sympa. Voilà, et on peut les mettre de côté. Alors maintenant que notre beurre est prêt, on va faire fondre les oignons. Voilà. Et ensuite, on peut poser délicatement les brochettes dans notre beurre avec les oignons et bien sûr assaisonner. Et je fais chauffer une poêle à griller. Voilà, je la fais chauffer à blanc comme ça pour qu'elle prenne une belle température. Et je coupe une belle tranche de pain, bien généreuse. Voilà. Et quand la poêle est chaude, je peux venir la toaster. Voilà, quand mon pain est bien toasté, je peux retirer la tranche et on va pouvoir commencer à dresser. Alors, je coupe mon pain en deux. Voilà. Et je le mets sur ma planche. Et je vais pouvoir sortir ma viande. Voilà. Et je vais pouvoir couper ma viande en aiguillettes. Magnifique. La cuisson est parfaite. Voilà. Je vais venir les déposer, les tranches disposées correctement sur mon pain. Voilà. Voilà. Je vais prendre ma sauce et la mettre délicatement sur ma viande. Voilà, je vais disposer mes brochettes et je vais colorer légèrement, mettre un peu de couleur, un peu de gaieté, voilà. J'espère que cette première recette vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et abonnez-vous. Et à bientôt pour une prochaine recette.